al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a este centro de la nada para gritar que tú nunca me decías. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo. Deux invités pour le même prix, faut en profiter. Lassa et Yves Desrosiers, bienvenue au cimetière des CD. Et bravo pour votre carrière que vous faites ensemble quand même. Ça fait combien de temps que la chimie s'est passée? Ça fait 6 ans. Déjà, oui. Ça donne des bons résultats quand même. Je savais pas, c'est Lassa qui a fait la peinture de sa pochette. Ah oui, tu fais des peintures souvent comme ça? Ouais, pas toujours comme ça, mais j'en fais quand même. Elle est magnifique, celle-là, quand même. Et puis, est-ce que tu peins en écoutant de la musique? Oui. Ah oui? Je fais tout en écoutant la musique. Ah oui? C'est une maniaque de musique. Toi aussi, Yves? Oui, oui, bien sûr. Oui. Et t'as fait la musique aussi de la bande originale du film Le cœur au point. Le cœur au point, oui. Présenté avec... par Musique Plus. Ce sera notre plug cheap ici. Et il y a une chanson... T'as participé quasiment à toutes les pièces. Richard Grégoire aussi. Oui, il y a eu deux parties de composition. La mienne et celle de Richard Grégoire. Je mentionnerai aussi François Lalonde, qui est mon acolyte, arrangeur, compositeur. Et puis, nous avons interprété aussi la musique de Richard Grégoire. OK. Et il y a une chanson avec... Quelle est ça? Chanson originale qu'on ne retrouve pas sur... Il est venu amener ses mots et sa voix. D'accord. Alors, vous avez des choix de musique. On commence tout de suite avec un nom que je ne connais absolument pas ici. Bretsch, sans domicile fixe. Ça, c'est ton choix, Lassa. Oui. Lassa. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? En France? Non, on trouve ça ici. Ah oui? Quand c'est sorti, quand la première fois que je l'ai entendu, c'était pas encore disponible ici. Je l'ai cherché partout désespérément. Puis finalement, c'est sorti ici. On peut le trouver ici. Mais c'est génial. Une panoplie. Oui. Alors, décris-nous la musique. C'est des chansons ciganes de partout dans l'Europe de l'Est. C'est des chansons vraiment... C'est très... très romantique, je sais pas, ils ont... C'est des musiciens incroyables, des chanteurs. C'est très lyrique, très passionné. Ouais, qu'est-ce que tu recherches chez un artiste? Ben, là-dedans, c'est vraiment juste... Je me sentais comme si c'est de la musique que j'avais dans ma tête depuis toujours. Ah oui? Et qu'eux, ils le faisaient. C'est des chansons tellement... tellement poétiques, tellement... je sais pas, qui pleure, c'est vraiment beau. Sensuel. Ça doit être important pour toi, la sensualité. La sensualité, oui. L'émotion, l'urgence qu'on sent dans les voix. OK, ben parlant de voix aussi, il y a notre ami ici, monsieur... Vous connaissez peut-être? Oui, c'est ça. C'est assez spécial. T'es pas la seule quand même à avoir choisi le disque OK Computer de Radiohead. Non. C'est... Qu'est-ce que t'aimes de Radiohead? Est-ce que t'avais acheté leurs deux autres albums? Non. Non? Puis au fait, c'était drôle parce que j'ai vu une vidéo d'eux dans une chambre d'hôtel, là, quelque part dans l'Ouest canadien. Puis ça m'arrive rarement de tomber en amour avec une ambiance de vidéo. Puis je suis allée chercher le C'est comme ça que tu l'as découvert, oui. Puis au début, j'étais pas sûre, je trouvais ça... En fait, ça m'a pas pris tout de suite, ça a pris quelques écoutes. Non, c'est vrai que c'est un album qu'il faut écouter quelques fois, il faut vraiment l'apprivoiser. Tu rentres dans l'ambiance et après, c'est comme... ça devient tout un monde, ça t'entoure. Oui. Et Tom York a une voix très spéciale, c'est vraiment comme un instrument. On regarde un extrait d'un excellent clip de Radiohead. Maintenant, des choix d'Yves, c'est Vladimir Vysotsky, l'une Magog, n'est-ce pas? De Magog? Non. Oui, on l'a repêché, à un moment donné, le bateau s'est coulé. Alors, ça sort d'où, ça, exactement? Vladimir Vysotsky, c'est un chansonnier russe, une espèce de brasseur. Chante en français, par exemple? Non, russe. En russe, c'est en français. En fait, je devrais dire quasiment c'est le choix de Lassa, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce monsieur. Ah oui? Qui aujourd'hui, je ne peux plus ne me passer d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, là? Il y a toute la façon d'interpréter les chansons qu'il écrit, et puis ce qui est très fort, c'est encore une fois d'une telle passion.
C'est en russe? Tu comprends quelque chose? Ou, Je comprends rien, que dalle, mais il y a les traductions en français. Ah bon, bon. Qui expliquent. Okay. Juste la façon qu'il chante, c'est comme c'est immanquable, on peut pas. Il y a une voix. Ouais. Très spécial. Ouais, puis lui, c'est comme l'héros national des Russes. Ah oui? Même s'il n'a pas eu des albums beaucoup en Russie parce qu'il était trop politique. OK. Mais toutes les gens avaient des choses du marché noir de lui, puis il l'écoutait partout. Et ça, ça se trouve ici? Oui. OK, d'accord. C'est difficile à trouver. Non, mais on peut le trouver dans les places. Moi, je suis meilleur, il y a plus grand. Oui? Ah, OK. Ensuite, notre ami... non, il y a Nick Cave ici. Nick Cave, lui, c'est... J'adore Nick Cave. Lui, Nick Cave, c'est quelqu'un qui peut être très trash, on veut, en spectacle et aussi dans la musique. Il est spécial. C'est un artiste. Bête un peu. Par contre, quand il devient crooner, qui adapte un peu les instruments de la musique qu'on peut retrouver dans la musique crooner, un peu déglingue, puis que lui, il arrive avec ça, toute cette espèce de romantico-poético. Trash, rock'n'roll, j'adore, c'est génial. Il y a une voix aussi. La voix qui va te chercher. Et où t'avais vite, tu vas te la chercher. Un peu à la Leonard Cohen. C'est un grand fan de Leonard Cohen, de toute façon. On va regarder un extrait d'un clip qui s'appelle The Weeping Song. Oh, why are all the children weeping? Are they a merely crying son? Si on continue dans cette vague-là, je suis pas très surpris de voir le dernier choix des deux, qui est un album de Tom Waits. Tout à fait, Tom Waits, le Bone Machine. Parlez-nous de Tom Waits. Tom Waits, quoi dire, Tom Waits, Tom Waits, on peut tout par dire. Par où commencer, hein? Tom Waits, c'est la perfection totale. C'est la perfection? Ouais. Ah oui? C'est la perfection. Si je pourrais vivre une vie, si je pourrais me modeler sur quelqu'un, ça se dit, ce serait lui. Quelqu'un qui a toujours fait. Ben, Yves, c'est pas ça. Qui a toujours fait. Moi, des fois, quand je me pose des questions, si je dois faire quelque chose, je me dis, est-ce que Tom Waits le ferait? Puis si la réponse est oui, je dis, OK, je vais le faire. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours resté très fidèle à lui-même, puis qui est un créateur totalement allumé. Ben, il est né dans un taxi. Hein? Quand tu commences ta vie comme ça, oui, il est venu au monde dans un taxi. Il faut venir à me dire plus pour entendre les voix. Puis il y a une voix, c'est vraiment. Et les musiques. Un hybride, c'est comme un extraterrestre un peu, Tom Waits. Hein? Oui. Il joue toujours un rôle, mais il y a toujours un fond de vérité là-dedans. Puis il est fascinant. Il pourrait faire n'importe quoi. J'aimerais le regarder, l'écouter, tout. Et cet album-là en particulier? Oui. Oui. C'est celui-là. Ben, moi, j'aime tous les albums de Tom Waits. Mais ils ont quelque chose. Hein? Il a jamais fait quelque chose de mauvais, Tom Waits. Non, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est une aventure à chaque album. Est-ce que vous faites des spectacles bientôt? On en fait pas à Montréal, on s'en va en France sortir notre album au Bataclan, à Paris. Il me semble que ça a des chances au niveau international, parce que c'est vraiment, vraiment excellent. Lassa et Yves Desrosiers, puis on se quitte avec Tom Waits. Merci. Merci.